L'actu de la semaine, forcément, on pouvait débuter ça qu'avec l'annonce incroyable, qui pourtant n'a pas été si incroyable que ça, mais c'est l'arrivée d'un Battle Royale sur CSGO. Donc on va pouvoir discuter de cette première news pendant 2 minutes. Le Battle Royale, ça vous parle certainement, vous qui connaissez PUBG, Fortnite, ou même plus récemment Blackout sur Call of Duty. C'est ce mode de jeu où on va avoir X joueurs, donc le Hunger Games, on va avoir X joueurs qui vont être dans une arène, tout le monde va tomber sans armes, ils vont devoir ramasser des armes, essayer de se tuer le plus vite possible jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un, la zone qui va se rétrécir au fur et à mesure. Donc on arrive sur Danger Zone, qui est le nouveau mode dans Counter-Strike Global Offensive, de 16 à 18 joueurs, avec le système d'argent qui fonctionne encore et des armes qui sont livrées par des drones. Il y a une map complètement inédite et en plus de ça, le jeu est passé en gratuit, donc en free-to-play. Qu'est-ce que vous pensez de cette annonce? Elle est un petit peu, j'ai l'impression... Elle n'a pas été beaucoup vue, elle n'a pas fait beaucoup de hype, cette annonce du Battle Royale sur CSGO. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous l'avez essayé? Alors oui, je l'ai essayé. C'est un Battle Royale un peu différent des autres. Donc là-dessus, je pense qu'ils ont voulu se démarquer. C'est plutôt une bonne chose. L'appréciation que les gens en ont fait est quand même assez mitigée pour le moment. Et moi, le premier, je trouve qu'il manque un peu de profondeur sur ce mode de jeu. Alors il y a des bases peut-être pour faire quelque chose de bien, mais je pense qu'il va falloir le travailler encore du côté de Valve si on veut vraiment pouvoir rivaliser avec les autres Battle Royale du marché. Vous en avez pensé quoi tous les deux de ce Battle Royale? Est-ce que vous l'avez essayé déjà? Moi, je sais que j'ai même pas réussi à le lancer. On m'a tellement dit que c'est pas fou que j'ai fait bon bah je vais me concentrer sur les autres. Bah moi perso, j'ai même pas essayé. J'ai vraiment pas envie d'essayer. Ah ouais, à ce moment-là? Ouais, ça me donne pas envie, ça a pas l'air terrible et j'ai l'impression que, enfin, de ce que les gens disent justement, que c'est, ça a pas l'air d'être limite fini quoi. Ils ont sorti le truc c'est un petit mode de jeu. Ok. Voilà. Donc, c'est un mode de jeu codé dans CSGO, mais sans vraiment encore. Comme il y en a d'autres déjà dans CSGO, c'est faut le voir presque comme un mini jeu, je pense pour le moment. T'en penses quoi toi, Sartre? Je rejoins tout à fait l'avis de Delkis. Si on garde l'échelle d'un mini jeu comme il y avait déjà auparavant avec certains qui venaient avec les opérations, ça, voilà, c'est pas mal quoi, mais c'est pas, il y a pas de quoi faire un vrai Battle Royale avec ça quoi. Le vendre en mode entier, enfin pour un vrai mode, peut-être que c'est pas vraiment. Ouais, le cas, voilà, on va dire c'est un mini jeu en quelque sorte. Après, il y a des choses assez intéressantes, mais bon, c'est voilà, si on compare ça à d'autres Battle Royale, ça peut pas faire l'affaire, ça c'est sûr. Et ben voilà, bon, bah ça c'est fait. Et je pense que cette façon de passer à la trappe, je t'ai même pas posé la question parce que c'est la fin de la news, mon cher Broken. Je savais que t'allais dire que. Non mais CS doit rester sur CS. Voilà. Continue, ça marche très bien, donc qui font mieux quoi. Clairement, clairement. On va parler maintenant d'une deuxième news, une news assez intéressante qu'on avait déjà évoquée l'année dernière, c'est l'e-sport aux Jeux Olympiques. Alors, l'e-sport devra patienter quelques années parce que oui, il y a eu un débat lors du sommet olympique à Lausanne. Est-ce qu'on fait rentrer ou pas l'e-sport dans les Jeux Olympiques? Est-ce que c'est intéressant que ce soit pour les Jeux Olympiques ou pour l'e-sport? C'est un petit peu ça le débat. Le comité voit des similitudes entre le sport et l'e-sport, donc ça c'est bien quand même de se dire que le comité olympique a dit que oui, en effet, les joueurs pros de Counter-Strike Global Offensive ont une performance physique lorsqu'ils font un match, surtout un match aussi long qu'on va avoir ce soir par exemple. Mais évidemment, les jeux ne sont pas compatibles avec les valeurs olympiques, on va pas se le cacher, même si nous on sait que c'est un jeu vidéo. Dans Counter-Strike Global Offensive, l'objectif est de tuer ses adversaires, et jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de sport où tu tues tes adversaires. Donc du coup, pour la valeur des Jeux Olympiques qui est de faire la meilleure performance, il y a la majorité des jeux vidéo, même les jeux vidéo un peu plus fantastiques comme League of Legends ou Overwatch, ça reste tuer des adversaires, et ça rentre pas du tout dans leurs valeurs olympiques. L'e-sport avait pourtant déjà fait une petite démonstration aux JO en Asie, donc c'est les Jeux Olympiques en Asie 2018 avec LoL, PES, StarCraft 2 et Hearthstone. Qu'est-ce que vous pensez de cette news par rapport aux Jeux Olympiques? Est-ce que vous êtes content qu'ils en parlent? Est-ce que vous êtes content que ce soit pas dans les Jeux Olympiques? Quel est votre avis? Moi, je pense que c'est bien qu'on se pose la question, qu'on en parle. Après, on en avait parlé un petit peu. C'est vrai que l'e-sport se fait tout seul, en quelque sorte. Donc, on n'a pas spécialement besoin que ça aille aux JO. Ça aurait pu être un petit coup de pouce, quoi. D'accord avec ça? Oui, je suis assez d'accord. C'est bien qu'on reconnaisse qu'il y a des similitudes, qu'on reconnaisse la performance que font ces athlètes dans l'e-sport. Après, qu'il n'y ait pas d'assimilation entre l'e-sport et le sport, je trouve ça plutôt bien. L'e-sport, c'est pas le sport, c'est une discipline à part entière. Je ne vois pas pourquoi on aurait besoin que l'e-sport soit assimilé à du sport. T'en penses quoi, toi, Broken, de cette news des JO? Bon, c'est plutôt cool. Après, moi, l'e-sport, comme j'ai dit, l'e-sport, je fais beaucoup de sport. L'e-sport, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. L'entraînement, déjà, rien que l'entraînement en équipe, travailler en équipe, ces choses-là, toutes ces activités. Donc, pour moi, c'est une bonne news. Après, comme tu as dit, enfin, comme l'a dit, je pense qu'on n'a pas forcément besoin de ça, quoi. Ouais, on n'a pas besoin. Après, ça aurait peut-être fait un peu de pub. Mais voilà, en tout cas, l'essentiel, c'est qu'ils en parlent. Et enfin, on va terminer avec la dernière news. Elle est très bien préparée. Il l'a taffé à fond. Il s'agit de la news de Broken. Qu'est-ce que tu vas nous raconter, Broken? Laisse-moi deviner. Attends, que je réfléchisse un peu. Est-ce qu'on va pas parler d'une victoire d'une équipe française? Ben oui, une équipe française qui fait que gagner, on gagne partout. Ah là là, regardez-les. Moi, c'était sur League of Legends, c'est Street Fighter. Et je vais vous parler de la Gfinity Elite Series. Vitality sur Street Fighter qui ont remporté la saison 4. Alors, ce qu'il faut savoir, la Gfinity Elite Series, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, Gfinity, c'est un organisme qui organise des tournois
en ligne ou hors ligne. Ce qui sont hors ligne, c'est localisé à Londres. Mm-hmm. Donc c'est super beau, je suis allé, c'est un truc de... ils ont récupéré un cinéma, c'est super bien fait, c'est magnifique. Et du coup, il y a une particularité dans la Gfinity Elite Series, c'est que quand tu veux aller jouer dans une catégorie, dans une compétition là-bas, ouais. Alors il y a Street Fighter, FIFA ou Rocket League, tu dois avoir des joueurs sur chaque jeu. D'accord, donc en fait, quand t'as une équipe, t'es obligé d'aligner une line-up, donc une équipe par jeu vidéo. Exactement. T'arrives avec tes trois équipes, en fait. Tu peux pas juste aller sur Rocket League et faire que du Rocket League. Tu dois être sur tous les jeux. Donc, moi, je trouve ça assez sympa. Mm. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Bah, peut-être pour les jeux qui n'ont peut-être pas la place d'avoir une compétition unique, le fait d'avoir trois compétitions et d'avoir, en fait, trois fois la même équipe, ils vont s'entraider mutuellement. C'est un peu ce côté les Jeux Olympiques, justement, on en revient. L'équipe de France des JO, ils ont beau ne pas être sur le même sport, ils vont tous s'encourager. Ça a créé peut-être un peu de rivalité entre les équipes. Moi, je trouve ça intéressant. Ouais, je trouve ça bien. C'est entre guillemets, t'envoies une délégation, quoi. T'envoies la délégation à la Vitality, à la Gfinity. Et on pourrait même pousser le concept un peu plus loin en disant que c'est les mêmes joueurs qui jouent sur les mêmes jeux et faire les décathloniens de l'histoire. Ouais, ça, il faudrait être chaud parce que quand tu passes de Rocket League à Street Fighter, je veux bien voir la tête que tu as quand même. C'est vraiment sympa. Il y a vraiment des choses sympas. Je sais que sur FIFA, par exemple, ils font beaucoup de 2v2 ou sur FIFA, il y a des joueurs FIFA. Xbox et d'autres PlayStation, et du coup ils font des 2v2 où les deux joueurs vont jouer sur la Xbox, faire un match aller Xbox, et par exemple le retour, ça va se faire sur la Play en 2v2, donc il y a plein de choses assez sympas comme ça, avec des 1v1, etc. Vous avez 5 secondes pour parler de la Gfinity. Non, mais, ce qui est bien aussi, c'est que si on n'a pas l'occasion de faire un grand tournoi pour un jeu, bah là on peut peut-être faire un tir groupé et regrouper tout ça en un seul événement, ça peut être aussi un petit plus un peu dans le même principe avec les équipes, quoi. Eh ben écoutez, très bien. Encore une fois, félicitations Vitality. Ouais, évidemment, Vitality, blablabla. Félicitations les gars, vous êtes les meilleurs. En tout cas, j'ai hâte de voir la semaine prochaine. Si Vitality ne gagne pas, qu'est-ce qui va se passer pour la chronique de Broken? Elle va être complètement annulée. Il n'y aura juste pas de chronique. Broken ne sera même pas là. Il sera en train d'essayer d'aller chercher pour gagner un autre tournoi. Il sera, les gars, j'ai pas de news en fait. Il va nous appeler le matin, mais nous faire j'ai pas de news. Vitality a pas gagné. Je ne viens pas. On a gagné, les gars. Il faut gagner chaque semaine. Bon, ça va, Vitality a de plus en plus d'équipes, il y a des chances. C'est tout pour les news de la semaine. On espère que ça vous a plu.